Et bonjour tout le monde. Bon, écoutez, regardez encore une belle journée. Hein. Ah bah tant qu'il y a des belles journées, moi j'en profite. Hein. Alors je suis à Aspremont, village d'Aspremont. Donc je suppute que le Mont Chauve est là-bas derrière. Je sais pas si c'est ça ou ça le Mont Chauve, je sais pas, c'est un des deux je pense. Et j'ai failli le faire parce que moi le Mont Chauve je l'ai toujours fait en partant de Nice mais jamais d'Aspremont. Mais je préfère retourner, je vais aller à l'Arche, vous savez, alors je sais pas comment ça s'appelle, juste en dessous du Mont Cima. Donc là on a la. On a le Var. Hein. Voilà. Le Baou de Saint-Janet, Baou de la Gaude. Bon j'ai déjà fait une vidéo, hein, j'ai déjà fait une vidéo, je suis venu ici. Bah, le problème c'est que j'avais envie de bouger comme d'hab, mais bon, l'essence, j'économise à fond, donc je vais pas très très loin. Et puis c'est sympa, voilà. Donc on prend le petit chemin monté du commandant Jérôme, donc en partant d'Aspremont, moi je me suis garé au parking. On peut monter en voiture direct, on peut monter en voiture, mais trop facile. Et puis comme je vous dis, j'ai envie d'économiser du gasoil, donc je préfère marcher. Donc là, on a une petite balade assez sympa. Et on va arriver, vous allez voir, à cette fameuse arche qu'on voit, qu'on voit depuis la route. Si on est attentif, eh oui! J'observe la nature, j'écoute la nature, je suis riche, vraiment. Regardez, j'adore cette petite maison dans l'arbre. Hop. Génial. Donc, le chemin est là, et théoriquement, si je ne m'abuse, la grotte est par là. En fait, elle est juste au pied, il me semble. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on prend ce petit chemin. Et en fait, elle est juste là. Hey, hey. Je me rappelais plus que c'était aussi simple que ça en vérité. Et voilà, les amis. Avec notre ami Groot, je s'appelle Groot, sculpté dans le bois, magnifique, celui qui a fait ça, bravo. Hein. Voilà, donc je sais qu'on peut descendre en spéléo là par derrière. Tiens. Hop. Wild Surimi. Hashtag Wild Surimi sur Instagram. Dès que vous en trouvez un, vous pouvez le prendre et vous pouvez le mettre où vous voulez. Alors, je vais le laisser. Hop.
C'est rassurant, hein. C'est rassurant de tomber là-dessus. Putain, et puis ils laissent leur merde, hein. Après, ils aiment la nature, hein. Voilà. J'aime la nature, qu'ils disent. Putain, je vais la balancer sur la route. Voilà. Voilà, que voilà, les gens voient bien à quoi s'attendre. Les chasseurs, ils aiment la nature. Je suis mort de rire. At Fremont. Where are you from, California? I love At Fremont. Ah yes, je suis arrivé. Ça monte, mine de rien. Là, je suis en sueur. Là, il fait... Là où ça cogne bien, là. J'ai vu une belle petite vipère, mais j'ai pas eu le temps de filmer. Elle m'a entendu, elle est vite rentrée dans un trou. Oh putain. Waouh. Étant donné que c'est plein de pierriers, ça c'est les endroits que les serpents ils adorent. Et voilà, l'arche. Magnifique, hein. Vous avez vu ça comme c'est beau. Ah, petit vent. Le mont Vial, tout au bout là-bas, et donc le mont Sima. C'est pas si loin que ça en fait. C'est pas si loin. Et donc la grotte où j'étais se trouve juste en dessous. Alors elle se trouve soit ce pylône, non, soit c'est le premier pylône je crois. Non, c'est ouais, c'est le premier. Donc après on a le chemin qui continue et on peut aller au Mont Sima et on peut continuer. C'est vraiment beau. La Madone du Tell. Magnifique.
reparti. Le soleil n'est plus de la fête. Donc c'est quand même toujours aussi beau. Hein. Mais j'ai remis la veste, il fait un petit vent. Là. Un petit vent. Bon, là j'ai mangé. Un peu médité, mais honnêtement j'ai un peu du mal aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Dedans, là, ça... Il y a des joueurs comme ça. Alors là, voyez-vous, messieurs dames, donc Aspremont. Et je sais pas si vous voyez l'espèce de gorge entre les arbres là. Et on voit bien qu'il y a un canyon, une gorge qui redescend jusqu'à là-bas où il y a la route. C'est le vallon obscur du Danoréo. Qui est magnifique et qui est fermé, voilà, pour raison de sécurité depuis. Je me demande si ça va pas faire 2 ans maintenant que c'est fermé. Voilà. Donc, en fait, d'Aspremont, il peut y avoir moyen de. Je sais pas si peut-être un autre passage. Bref, écoutez, il est tôt, mais je sais pas, j'ai peur que. Bon, je pense pas qu'il va pleuvoir, mais. Bon, je vais peut-être changer de coin. Est-ce que je rentre ou je change de coin? Je sais pas. Nono sait. Bon bah en tout cas voilà. Donc ça c'est Falicon me semble-t-il. Oui, je crois bien. Ouais, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Voilà, petit scarabée qui. Bon, finalement, je suis revenu sur mes pas, puis je vais aller au Mont Cima. Parce que j'ai pas envie de rentrer. Bon, il fait pas beau. Mais j'ai envie d'être dans la nature. Alors, écoutez comme c'est horrible. Je pense qu'on n'entend pas. On entend les câbles électriques là qui bourdonnent là. Oh, c'est pas beau. Hein. Sympa. Petite ruine. Sur le chemin du Mont Cima. Il y a des réserves pour faire un feu là. Oublié son pull, c'est beau hein. Ah c'est beau. Ouh. On est sur le retour. Hein. Voilà, comme par hasard, on redescend. Lui, qui c'est qui arrive? Hey voilà. C'est très beau. Bon, les amis, je vais arrêter de filmer parce que là, c'est. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. J'espère que les dernières vidéos vous plairont. C'est pas vraiment la montagne, mais bon,
ça change un peu. Et étant donné que tant qu'il n'y a pas de gasoil, c'est un peu compliqué d'aller loin en montagne. Quoi. Voilà. Donc on essaye de trouver des choses à proximité. Et puis il y a des belles choses. Hein. Voilà, ça faut. C'est bien. Ça change. Et voilà. Ciao, ciao.